Dans cette forêt située à la périphérie d'Izioum, localité reprise récemment par les forces ukrainiennes, près de 450 tombes sommaires ont été retrouvées et les corps ont été exhumés ce vendredi. Elles ont été creusées pendant les combats lors de la conquête de la ville par les forces de Moscou et durant leur occupation. Une fosse commune contenant 17 cadavres de militaires ukrainiens a également été découverte. D'après le chef de la police, 10 salles de torture ont été créées sur l'ensemble de cette région autour de Kharkiv. Il y a une famille entière enterrée là, avec un petit enfant. Ils ont été tués. Il y a des témoins de ce foyer. Ils ont vu ce qu'il s'est passé et ont enterré ces personnes ici avec leur nom inscrit. Après ces découvertes, le président ukrainien a qualifié les soldats russes de torsionnaires. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a indiqué vouloir envoyer une équipe pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes. Sur le plan militaire, Moscou a revendiqué des succès sur tous les fronts et a accusé Kiev de viser des responsables pro-russes. Un procureur de la région séparatiste de Lugansk a été tué, selon les autorités locales. Kiev a nié toute implication. La présidence ukrainienne a rapporté des combats de position dans la région de Lugansk, tandis que dans celle de Donetsk, des bombardements russes, notamment sur Bakhmout, ont fait 5 morts et 6 blessés. Sur le front sud, où les forces de Kiev rencontrent plus de résistance qu'à Kharkiv, la situation demeure difficile, selon la présidence ukrainienne.